Salut à toutes et à tous les amis, c'est 100% Simulation. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Truck Simulator 2 en multijoueur. On se retrouve tout de suite après l'intro. Aujourd'hui, petite vidéo sur Truck en multijoueur hein, sans Tom, parce que alors je vais vous raconter. Donc hier nous avons voulu hein, du moins faire une vidéo sur ce jeu en multijoueur, et nous avons mis à peu près 2 heures à tourner une vidéo de 30 minutes. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a des imbéciles du cerveau qui s'amusent à nous foncer dedans. Donc du coup Tom arrêtait pas de se faire foncer dedans. Et la vidéo était, on pouvait pas tourner quoi. J'avais fait plein de coupures et c'était injouable. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, nous avons pas pu faire de vidéo quand nous avons arrêté. Il était déjà minuit, donc voilà. Donc, je refais une en solo. Donc là, de toute façon, on est parti en vacances. Donc là, je vais tourner là 2-3 vidéos. Histoire de, quand je serai chez mes grands-parents, de les mettre en ligne. Hein, voilà. Pour pas laisser la chaîne en suspens pendant les vacances. Comme ça, j'en aurai en stock et je pourrai en mettre une par semaine. Donc, il y en aura une tous les mercredis, comme avant, je vous le rappelle. Et au fur et à mesure, je pense que j'en mettrai deux. Voilà. Donc, la petite mission, tranquille, contrat externe. Hein. Voilà. Donc, on roule à 90 km/h. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bouchons. Qu'est-ce qu'ils ont klaxonné derrière? En plus, on va vers Duisburg, donc c'est là où il y a le plus de monde. Ça va être une catastrophe encore. Oh, pardon. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors là, il va y avoir du monde. Alors. Merci. Espérons que je me fasse pas foncer dedans. Oh là là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Fou là là là. Donc désolé si vous allez. Quand on va passer dans les bouchons, on sera pas à 60 FPS. Hein. Donc pour ça je suis désolé, mais on pourra pas faire autrement. Et là les bouchons commencent. Hop là, et voilà. Hop. Alors, je regarde. C'est bon, j'ai lancé mon chronomètre. Désolé, mais mon volant en ce moment bug. Donc, alors lui, il double, d'accord. Donc là normalement on aura dû tourner un multijoueur avec Tom, mais tant pis, je tourne tout seul, c'est pas grave. Donc d'ailleurs je vous mettrai le lien de la vidéo qu'on a faite avec Tom la dernière fois.
Elle va apparaître en haut à droite de votre écran normalement. Voilà. Alors lui va doubler. Voilà. Bon, j'ai refait le plein. Donc ça c'est bon. Parce que quand j'ai commencé la vidéo juste avant l'intro, j'étais vide. Et après j'ai refait le plein parce que j'étais vraiment à sec. Alors, ça y est, on passe en Allemagne. Ah, et il y a des. Il y a un petit carambolage là-bas. Alors hop. Allez, avancez, avancez, avancez. Allez. Ça lui apprendra. Bon. Il nous laisse passer, lui. Ouais. Allez, go, on y retourne. Il a du mal, il a du mal le scanner, il a du mal. Oui, alors il y a quelqu'un. Si vous avez regardé dans mon rétroviseur de gauche, il y a quelqu'un qui vient de se retourner. C'était assez épique. Nous, on se concentre sur notre route à nous. Alors, par contre, là, c'est 80. Ouais. Et c'est où là? On va essayer de respecter ça. S'il n'y a pas des fous qui nous foncent dedans, c'est bon. Lui, voilà. Bah oui, bien sûr. Si seulement lui, je pouvais le doubler pour être tranquille, parce que là, il m'embête un peu, là. Là, il fait exprès là. Hop. Oula, regardez-le. En plus, il bug. Je vais pas me mettre trop près de lui. Il faut vraiment que je le double. Et il va m'embêter là. C'est qui? 15, 97. Ok. S'il m'embête de trop, je vais les report et puis ça va être vite fait. Le problème c'est que là je peux pas le doubler donc ah si là je peux le doubler. Alors, on va essayer. Allez 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 Escania, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, il a du mal. Ah, il tourne, tant mieux. On va être tranquille pour un petit moment. Pendant un petit moment. Mais par contre, quand il va tourner, il va prendre 3 heures. Non, c'est bon. Et voilà. Ah, c'est bon, on est tranquille. Il faut pas qu'il y en ait un qui nous fonce dedans. Hein. Parce que hier, c'était pas possible avec Tom. Il y avait plein de bouchons. Tout le monde nous fonçait dedans. Voilà, là franchement ça va mieux. Hein. Je vous le dis, c'était 10 fois pire qu'hier. Mais bon, on n'est pas encore arrivé vers Duisburg. Tom l'a baptisé la route de la mort Calais-Duisburg. Allez, vas-y, double toi. Moi je respecte la code de la route, monsieur.
De toute façon, on peut pas aller plus de 90 km/h en contrat externe, donc je risque pas d'aller vite. Alors là, on doit se mettre à 50. Comme dirait Tom, ça cote. On va se mettre à 50. 50, 50. Oula, oula. Bravo, bah voilà, dégâts de la remorque, 15%. Comment il s'appelle, là, vite fait? 275. Alors. Attends un peu, toi. Attends un peu, attends un peu. 275. Je sais plus. Je vais mettre ça. Bon, bah là on est dans les bouchons, les amis. On est dans les bouchons. Oh bah alors là, lui il passe là. C'est n'importe quoi. Tiens, ce sera ça le titre de la vidéo. C'est n'importe quoi. Que je vas-y, fonce maintenant, toi. Faudrait que je trouve il y a beaucoup de monde et comme ça je le prends en screen. Ça pourrait faire un bon petit, une bonne petite miniature, une belle petite miniature. Donc, dans le futur, nous... Oula. On est en train de réfléchir avec Tom, donc comme mon frère, je vous l'ai dit il y a déjà un petit moment déjà. Oula. D'accord. Avec Tom, nous avons décidé de faire une chaîne à deux, hein, donc... je m'appellerai toujours... Je serai toujours de 100% simulation, mais lui, il va juste venir sur la chaîne et faire des vidéos avec moi ou faire des vidéos tout seul. En fait, il va remplacer mon frère, si vous voulez. Voilà, donc on sera à deux sur la chaîne. Donc on est en train de réfléchir à ça. Il sait pas encore comment enregistrer son écran, donc je vais lui montrer comment faire. Parce que si, ceux qui veulent savoir, je filme avec Shadowplay. Hein, voilà. Donc je vais lui montrer et il vous fera une vidéo et vous expliquera. Ce qui va se passer par la suite, ces vidéos, tout ça. Voilà. Donc on est en train de réfléchir à ça, et puis voilà. D'ailleurs, dans pas très longtemps, si j'ai le temps, je ferai une vidéo setup. Une vidéo setup, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve toute la configuration de mon ordi, parce que je sais plus, moi, ce que j'ai. Tout ce que je me souviens, c'est une... que j'ai un Intel Core i7 7700K et une 1066 Go, ouais, avec 32 Go de RAM, 1 Tera, un SSD de 250 Go, la carte graphique, je sais plus c'est quoi, c'est une Z, je sais plus quoi. Bon, bref, tout ça sera dans la vidéo setup de toute façon. Donc pour ceux qui veulent savoir, je suis avec 3 écrans actuellement. Voilà. 3 écrans. Donc au début j'étais avec un écran, puis j'avais des écrans qui me servaient pas. Donc je me suis dit pourquoi pas avoir 3 écrans. Comme ça je fais des choses en même temps. Pendant que je joue, je peux par exemple regarder des messages sur le Discord ou alors faire autre chose. Hein. Voilà, vite fait. Et c'est plutôt pratique, donc voilà. Alors, hop. J'ai juste un problème avec un écran, c'est que quand, comment dire, le deuxième écran, j'ai un écran où je l'ai branché en VGA, la mise au point se fait toute seule, mais par contre l'autre écran, je peux pas le brancher en VGA car j'ai qu'une prise VGA, et du coup j'ai été obligé de le brancher en HDMI. Et le problème c'est que quand je l'ai branché en HDMI, la mise au point se fait pas. Enfin, la résolution de l'écran, elle n'arrive pas à se faire. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'arrive pas à se mettre au point. Et avec le VGA, j'ai testé, ça se met très bien au point, tout seul. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'achète
deux adaptateurs qui partent en DVI, ouais, qui partent en DVI-D et qui ressortent en VGA. Il faudrait que j'en achète deux. Comme ça, je les mets sur ma carte graphique. Comme ça, je pourrais faire des jeux avec trois écrans. Parce que là, le problème que j'ai, c'est que mon écran principal, il est sur ma carte graphique. Et sur mon troisième écran, il est sur ma carte graphique également. Et par contre, le deuxième écran, il est sur mon processeur. Donc, vous voyez, c'est pas très bien tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'achète deux adaptateurs en DVI-D qui sortent en VGA. Et comme ça, je pourrai tout mettre sur ma carte graphique et ce sera beaucoup mieux. Et la mise au point de mon troisième écran se fera toute seule. Donc, voilà. Comme ça, je pourrai jouer avec trois écrans. Sur Euro Truck avec trois écrans, ça sera pas mal, je pense. Même pour les autres jeux. Hein. Donc voilà. Bon, on n'a pas trop de monde, franchement, ça va. Par contre. Oh là, attention. Là, on a passé Duisburg, je crois. Ouais, on l'a passé. Bon, on a de la chance encore. On est passé à côté des bouchons. Parce que Duisburg, c'est un enfer. Un enfer. Là, vous voyez, il n'y a plus personne. Alors, vous avez vu le changement un peu? Là. Donc, pour ceux qui veulent savoir, j'ai mis le GPS sur éviter les autoroutes. Comme ça nous a fait passer par les routes de campagne. C'était plutôt sympa. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus sympa. Même s'il y a plus de bouchons. Donc, voilà. Là, nous avons un radar. Moi, 90, donc c'est bon. Allez, on va sortir. Alors là, il n'y a vraiment personne. Là, on est les seuls au monde. Hop. Attention à pas se retourner quand même. Alors, on va faire une petite photo. Bon, ici on gêne personne. Hein. Je vais me dépêcher. Tac, tac, tac. Comment on fait déjà? Puis il n'y a personne, ça c'est parfait.
Voilà. Tac, ça c'est bon. Je sais plus comment on fait déjà. Ça. Ça non plus. Hop. Allez, go. Je suis déconnecté là? Non. Ah d'accord, je suis plus Ok. Bon bah les amis, je vous voyez, je suis plus en ligne. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah écoutez, on va finir la vidéo comme ça et puis c'est tout. C'est pour ça que je me disais, il y a un problème, il n'y a plus personne. Allez, je suis plus en ligne. D'accord. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. On sera tranquille, on va finir la vidéo comme ça, hein. Écoutez. Je suis offline. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a personne. Bah oui, depuis tout à l'heure, on me dit, bah il n'y a personne. Bizarre. Bah oui, on est. Je sais pas ce qui s'est passé. Là, franchement. Là, je suis pas du tout ce qui s'est passé. Ah bah oui, l'effet marche plus. Moi, d'accord. Bah écoutez, dites-moi ce qui s'est passé parce que moi, je sais pas, j'ai pas remarqué du tout. D'accord. J'ai pas vu de message comme quoi j'étais déconnecté, donc. Ou alors j'ai. Ouais, j'ai appuyé sur une mauvaise touche, ça se trouve. Bon. Écoutez. Alors du coup, nous, on va aller là. Hop. On va faire notre petite manœuvre tranquillement, comme il n'y a personne pour nous embêter. C'est parfait. Hop. Ou alors quelqu'un m'a reporté et je sais pas. Bon, allez. Alors. Tac, on va faire comme ça. Alors, je suis pas très doué en manœuvre, donc. Bon, bah, du coup, ça va pas être excellent parce que quelqu'un nous avait foncé dedans tout à l'heure, donc du coup. Ça va être détestable, je pense. Attention. Et ouais, tolérable. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, les amis. Hein. Je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo qui se termine. Hein. Donc voilà. Donc, je sais pas du tout pourquoi j'étais déconnecté. Dites-le moi dans les commentaires pourquoi j'étais déconnecté, ce qui s'est passé, ce que j'ai. Je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, mettez un pouce rouge. C'était The 100% Simulation. Moi, je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, ciao!